Bonjour à tous et bienvenue sur Autozone Réunion pour l'essai de cette Audi A1 Sportback qui est sorti en 2018. On l'essaye avec beaucoup de retard. Alors ce véhicule à la base, la première génération, est sorti en 2010. Elle venait concurrencer la fameuse Mini Hatch, la reine des citadines compactes premium. Ça a plutôt pas mal marché puisque le véhicule avait un style moderne, tout en rondeur et une finition assez exceptionnelle. Pour cette deuxième génération, la marque Ozano compte attirer une clientèle un peu plus masculine. Du coup, on a un style qui évolue dans les grandes largeurs et également un habitat remanié. Alors, on voit qu'elle a évolué cette Audi A1 Sportback. On a un côté beaucoup plus agressif. Au niveau de la calandre single frame, au niveau de la grille calandre qui est en relief, on a également les trois ouïes au niveau du capot moteur, trois ouïes factices, mais ça rappelle une certaine Audi Quattro Sport des années 80. Au niveau de la signature lumineuse, c'est beaucoup plus anguleux et c'est le même topo au niveau du bouclier avec tout un paquet de plastique noir laqué. Alors c'est la même chose de profil. Au revoir les rondeurs. On se rappelle que sur la première génération, on avait une arche en aluminium au niveau de l'encadrement des vitres et au niveau du pavillon. Aujourd'hui, on a un style beaucoup plus longiligne. Il faut dire que le véhicule a pris près de 10 cm en longueur. Alors, sur notre finition sport, on retrouve néanmoins ce toit en noir laqué, tout comme les bas de caisse, les coques de rétroviseur, et puis on a ces jantes en 17 pouces gris anthracite. Au niveau de la coupe, on retrouve à peu près le dessin de l'ancienne génération. Par contre, au niveau des feux, c'est un peu plus complexe. On a une nouvelle signature lumineuse, toujours en pointillé. On a des feux qui ont été creusés. Bref, c'est un peu plus torturé. Alors, toute cette complexité, on va la retrouver d'ailleurs à bord de cette Audi A1. Audi A1 qui a définitivement abandonné son côté bourgeois pour plus d'agressivité, plus de sportivité. Ça va plaire à certains, beaucoup moins à d'autres. Bienvenue donc dans cette Audi A1 Sportback. Alors, on n'est pas étonné de retrouver le châssis MQB A0 de ses cousines Polo et Seat Ibiza. On a donc un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière grâce à l'empattement majoré. Néanmoins, les cousines font un peu mieux sur ce point. On a ce nouveau dessin de planche de bord. Alors, comme la carrosserie, c'est plus anguleux. Au niveau ergonomie, c'est pas mal. Audi a mis l'accent sur les technologies embarquées. On a cet écran couleur 8 pouces, bien évidemment, avec tout un paquet de fonctions. Bon, le graphisme est un peu noir, mais la qualité de l'image n'est pas mauvaise. Et puis, on a cet écran instrumentation TFT, 10,2 pouces, de série. Par contre, il n'est pas tout à fait paramétrable. Il n'est pas du tout paramétrable. Au niveau des matériaux, la seule partie moussée, c'est sur le haut de cette planche de bord. Devant, c'est dur. Alors là, on est un peu surpris. C'est bien assemblé, bien construit, mais Audi ne nous avait pas habitués à des matériaux aussi durs, surtout sur les contre-portes. Alors parfois même, ça fait mal un peu au coude. Sur ce niveau-là, elle fait un peu moins bien que la génération précédente qui avait, on avait le sentiment d'être dans un cocon dans la première génération. Là, on joue plus la carte de la sportivité, des technologies. Alors, sous le capot, aujourd'hui, on a le 3 cylindres 1 litre TFSI de 116 chevaux qu'on commence à connaître. Il est accouplé à la boîte mécanique à 6 rapports. Une boîte mécanique qui est très précise, très douce, mais par contre on a des rapports un peu trop longs, tout ça pour baisser théoriquement la consommation. Alors, si vous voulez plus de confort,
n'est pas très lourd, donc ce 3 cylindres, il suffit à tracter le véhicule. Mais voilà, sur les routes sinueuses comme aujourd'hui, on va rester pratiquement tout le temps en seconde. Au niveau motorisation, ça commencera à 95 chevaux et on terminera à 200 chevaux avec le 4 cylindres de litre turbo qu'on retrouve notamment sur la Polo GTI. Au niveau du châssis, cette plateforme MQB à zéro, c'est plutôt précis, on a un bon comportement routier. Par contre, je trouve la direction un peu trop souple. Alors j'adore le volant avec cette jante épaisse, mais par contre elle est un peu trop souple, on n'a pas un feeling parfait. Alors sur le sec ça va très bien. Sur le mouillé, je pense que le toucher de route ne doit pas être excellent. Mais dans l'ensemble, ça reste un véhicule agréable à conduire. Ça vire à plat. C'est plutôt confortable. Et puis, on a des jantes en 17 pouces aujourd'hui dans cette finition sport. Que ça suffit hein, pour cette Audi A1. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Citadine Premium qui sera disponible en concession à partir de 29 500 euros jusqu'à 48 000 euros si je ne me trompe pas. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur 2 en réunion pour un prochain essai. À bientôt.